Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Broglick. Alors aujourd'hui, on va pas parler de vidéos de réparation ou de dépannage, mais ce sera une leçon qui vous permet de bien choisir le processeur que vous utilisez. Surtout si vous voulez en fait acheter un nouvel ordinateur ou vous souhaitez monter un nouveau PC propre à vous. Donc pour savoir quels sont les besoins que vous avez, c'est là qu'on va vérifier selon le processeur que vous pouvez utiliser. Donc ne quittez pas, on va voir cela tout de suite. Et nous revoilà, on va pouvoir commencer. Alors, donc tout le monde connaît en fait les processeurs qui sont sur le marché, le i3, le i2, le i5, le i7, mais derrière chaque processeur, sachez que en fait, il y a une explication, une performance qui change d'un processeur à un autre. Alors, par exemple, là, si on se met sur le site Intel, on voit bien que sur le i7, on voit bien qu'il y a plusieurs références. Donc, commençons par exemple par 3820 jusqu'à la 6950. Plus de cela, vous avez des lettres à côté. Donc X, K, voilà, donc il y a plusieurs références et sans on voit des références du tout également, donc comme vous remarquez, donc c'est là que on va vérifier lequel nous convient le plus. Donc parce que le i7 seulement, on peut en fait tomber sur un qui nous intéresse, alors que ce n'est pas des fois en fait celui qui nous intéresse qu'on va avoir. Et du coup voilà, il faut racheter un autre tout simplement pour bien sûr l'utiliser, donc ce qui nous va vous faire perdre de l'argent pour rien. Donc bien sûr, pour comprendre bien l'utilité de chaque processeur, on va aller toujours sur un site Intel que je vous mettrai dans la description. Donc au niveau de ce site, vous pouvez vérifier et comprendre le ou la référence de votre processeur. Donc comme on a dit, tout le monde connaît le i7 ou le i3, ainsi de suite, hein, tout ce qui est modèle, ça on va zapper, il n'y a pas besoin de l'expliquer, mais c'est par rapport à la partie au-delà du modèle, autrement dit la référence avec la lettre à la fin. Donc la référence qui nous intéresse dessus, en premier lieu, c'est la première ou le premier chiffre en question. Alors, par exemple, là, si on voit le 6, c'est que le processeur en question, c'est un processeur de sixième génération. Si c'est en fait un 4 ou un 3, c'est que c'est un quatrième génération ou une troisième génération. Bien sûr, si on veut, on va dire, acheter et qu'on tombe sur deux processeurs, il y en a un avec, par exemple, 3700 et 6700, on va directement sur le 6000 en question. Bien sûr, ça c'est la première chose. Après, vous avez la référence qui est après. Bien sûr, là, celle qui est la plus élevée entre, par exemple, les deux, c'est celle qui est la plus performante également. Mais la première, c'est celle, en fait, qui est la plus importante à vérifier. En dernier lieu, vous avez également la partie où il y a la lettre. Donc, la lettre, qu'est-ce que ça signifie? Donc, si on veut, en fait, acheter un processeur et par la suite pouvoir l'overclocker, autrement dit, le débridé d'une manière qui dépasse les performances qu'il a, eh bien, il faut bien que vous puissiez avoir la lettre K, autrement dit que le processeur est débloqué afin de pouvoir l'utiliser. Si en fait vous voyez la lettre T, c'est que c'est en fait un processeur optimisé, moyennement, on va dire, entre la puissance et l'économie d'énergie. Donc après, voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez. Si vous voyez que en fait, hein, c'est marqué le H à la fin de la référence, c'est que le graphique du processeur est vraiment en haute performance. Donc, et si vous voyez par exemple le HQ, c'est que ça combine la haute performance du graphique plus le fait qu'il est débloqué. Donc, vous voyez bien sûr à ce moment-là, voilà donc les références en question. Ça ou même des modèles à la fin, par exemple le 6820 HQ, HK, pardon. Donc, c'est un processeur qui va, pour ceux qui souhaitent en fait avoir du graphique haute performance et le fait de pouvoir l'overclocker en parallèle. Bien sûr, si vous voyez la lettre Q,
Eh bien, c'est que c'est un processeur quad-core. Donc, c'est un processeur avec 4 cœurs au niveau de ce dernier, au niveau du noyau. Et bien sûr, le tout dernier, la référence qu'il a eue, ça veut dire tout simplement que c'est un processeur très basse consommation. Ceux qui sont utilisés surtout sur les tablettes, voilà, donc les tablettes en question, ou par exemple les ordinateurs, les mini-PC. Donc voilà en fait ce que vous pouvez vérifier, à quoi vous pouvez vous référer afin de bien choisir son processeur, et j'espère que cela va vous être utile pour vos prochains achats voilà de matériel informatique. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire si vous avez toute question concernant des achats que vous souhaitez également. Voilà, je serai toujours là pour voilà vous répondre et à votre écoute également. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.